Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur Catch Collector. On se retrouve aujourd'hui pour un article apparu sur le WWE Shop qui fait polémique depuis l'annonce de son prix. Je parle bien entendu de la ceinture personnalisée du Fiend, annoncée à pas moins de 6 499,99$, soit environ 5 866€. Comment la WWE justifie-t-elle ce prix? On voit ça tout de suite. Cette ceinture est une édition limitée entièrement faite à la main et les premiers exemplaires seront expédiés à partir du 20 décembre 2019. Mais attention, seuls les résidents américains y auront droit, car elle ne sera pas expédiée hors États-Unis. Elle est conçue par les studios Tom Savini. Tom Savini est un artiste d'effets spéciaux, acteur, metteur en scène, cascadeur et légende des effets spéciaux liés au maquillage et masque d'horreur. Il faut savoir que Tom Savini avait déjà travaillé auparavant avec la WWE pour confectionner notamment les couronnes et masques de Triple H et Stephanie McMahon, mais aussi les masques de moutons de la Wyatt Family, en passant par les marteaux et les masques des Blue John Brothers, et bien sûr le masque du Fiend, ses lanternes et ses marionnettes. Mais revenons à cette ceinture. Elle sera donc fabriquée à la main. Le masque présent sur la ceinture sera composé d'une peau de latex et de deux urnes acryliques afin de capturer le regard intense du Fiend. Elle atteindra une longueur de 162 cm pour une hauteur au centre de 30 cm. Chacune sera numérotée et accompagnée d'un certificat d'authenticité. Évidemment, à ce prix-là, la ceinture est en cuir. Voilà pour le résumé de cet article. Bon, clairement, presque 5 900€ pour une ceinture, pour moi, c'est du grand délire. Je ne sais pas à quoi pense l'équipe marketing de la WWE, mais il aurait pour moi été plus judicieux de créer, pourquoi pas, une réplica aux alentours des 500€ pour satisfaire beaucoup plus de monde et s'adapter aux moyens de ses fans plutôt qu'à une poignée de privilégiés. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater. A bientôt!